Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un petit logiciel que m'a conseillé Marc Papakuma, voilà. C'est d'une version QuenOps, mais pas pour Xbox 360, pour PC. Donc vous la téléchargez, vous mettrez le lien dans la description. C'est sur Arcade Punk, ça fait 20 Go, vous le dézippez, vous l'installez sur le PC, et c'est prêt à jouer. Donc ici vous avez les réglages, alors je vais vous montrer d'abord juste un jeu avec les Skyline, puis après j'enlèverai les Skyline. Donc apparemment si vous allez ici, vous avez quelques jeux et des Game & Watch. Des jeux Game Boy Advance. Voilà, mais en fait, je crois que c'est que des jeux Game Boy Advance qui sont là. Non, vous voyez. C'est rangé apparemment par console. Ici, donc, vous voyez que l'interface est super. On a ce qu'on appelle la wheel, la roue. Ici, on a les shoot'em up. Ici, les jeux de combat. Ici, les jeux de combat avec des armes. Les beat'em up, beat'em all, ça dépend comment vous dites. Et ici, je pense des jeux d'arcade purs et durs. Voilà, il y a des jeux qui sont assez anciens. Donc, juste vous montrer déjà rapidement les Skyline. Voilà, on va lancer Battle Wolf pour Yann. Donc, je vous l'ai dit, c'est configuré normalement pour la Xbox. Vous avez à brancher votre manette de Xbox sur le PC. Hop, on appuie sur le bouton A, on lance le check. On met des crédits. Et voilà, donc là vous voyez les Skyline, moi je suis pas très fan, donc après on les désactivera. On peut aussi activer le faux reflet sur l'écran. Voilà, là on a le bouton de tir, là on peut lancer des missiles vers le bas. Et si on appuie sur les deux, je vais vous montrer après, on a ici. Ouh, pirouette! Pirouette, pirouette! Alors on fait les pirouettes, hop là! Mais bon, on va pas trop faire le guignol. Sinon après on va se faire tuer. Alors en bas on peut pas les tuer. Mais les avions ils volent près du sol. Hein. Après je vous ai pas mis le jeu le plus récent quand même. Merde, il m'a eu. Détruit par le char. Alors, en plus on repart du début. J'ai pas vu de fonction pour sauvegarder les jeux ou pour tricher. Hein. Voilà, par contre select et start. Ça reset et on revient au menu. Donc on va aller dans les options. Alors là, les options c'est où? Voilà, c'est ici. On va mettre full screen, scanline et glass effect off. J'appuie. Voilà. Donc là, on a all. Et si vous regardez bien tout à droite de l'écran, vous allez voir. Quand j'appuie sur RE, on peut choisir les jeux par lettre. Vous devez le voir, il y a un bandeau A, B, C, D, E, F. Voilà, ça permet de choisir les jeux par rapport à leurs lettres. Elevator action pour Arthur. Il y a même la guerre des étoiles. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a comme jeu. Alors bon, shoot'em up, c'est pas trop mon trip. Jeu de baston, qu'est-ce qu'il y a? Des jeux Neo Geo, des jeux d'arcade. Enfin, tous les jeux sont d'arcade. Voilà, les jeux qu'on trouve sur Neo Geo. Fatal Fury, Final Round. Tiens, il y a Golden Axe de Duel. On va voir, en général, c'est un jeu qui rame sur Raspberry Pi. On appuie sur A. Donc le petit écran de warning. Le petit bruit, c'est parce que j'appuie sur Select pour mettre des crédits. Ah, celui-là, il est un peu long à charger, par contre. Voilà, la patente, on s'en fout, on veut jouer, nous. Alors, tiens, il n'y a pas. Ah non, en fait, j'ai enlevé les overlays, je suis bête. J'ai enlevé l'overlay, je me suis trompé. Enfin, c'est pas grave, du coup, on va l'avoir en 16/9 celui-là. Alors. Petit effet de zoom, hein. Oh, il m'a cassé en deux. Allez hop. Voilà. D'accord, allez, viens ici. Peut-être. Un peu déçu parce qu'il n'y a pas les musiques du Golden Axe, là. Le jeu classique. Et comme je vous dis, c'est des jeux d'arcade, hein, donc ça picote. Voilà, mais par contre, il n'y a pas de ralentissement. Le son est sympa, le seul truc, c'est que je vois là, je vais filmer en fait en branchant la sortie du PC sur la carte d'acquisition. Je ne sais pas où l'enregistrer en 60 FPS. En 30 FPS. Et le gnome. Ah, on peut récupérer des potions. Comment est-ce qu'on lance les potions? Je vois pas de truc. C'est des potions. Oh, il m'a laté.
Pas mal, donc je vais remettre les overlays par contre. Alors, select start. Là, on retourne ici dans les réglages, donc je me suis trompé. Alors, c'est full screen, scanline et glass effect off, non. Après, on met scanline off et bezel on. Voilà, j'appuie là. L'icône va rester rouge et normalement, ça devrait être bon. On va bien le voir de suite. On va sortir un autre jeu. Bah tiens, Killer Instinct, il est pas très joli, mais bon. On va lancer celui-là. Voilà, donc on a l'overlay, c'est pas mal parce que l'overlay est différent à chaque jeu. Wow, en plus, c'est un jeu Nintendo Rare Web. Rareware. Killer Instinct 2. Alors, le son est très bas par contre sur celui-là de jeu. La Fulgor. Là, je peux pas modifier le son puisque je vous l'ai dit, j'enregistre avec le la sortie branchée. Et des crédits. Si on laisse tourner l'intro, ça bug un petit peu. J'appuie sur Start. On va prendre la fille Kimu. Et on va se battre contre Orchidée avec un bon dé. Et oh, attendez, laissez-moi commencer quoi. C'est quoi cette musique derrière? Musique des années 80. Joli plastique Orchidée. Ouais, donc j'ai pas vu de truc pour sauvegarder ou pour tricher. Hein. Ah, il y a des coups spéciaux, elle est d'enfer. Allez hop. Ouais, ça, il doit y avoir des combos. Mais le temps que je les trouve. Hop là, je serai morte. Ah. Allez, on dirait Terminator. Sans déconner, les bras qui tirent du feu. Allez hop. Je suis morte, non? Bah ça tourne en tout cas, vous pouvez essayer, voilà, différentes sortes de jeux. On va aller voir un peu ce qu'il y a dans les jeux comme ça. Donc on a quoi? Ouh, Altered Beast. Y a quoi? Il y a PC Kid aussi. Hein. La Box Aventure, et j'ai vu en dessus, non? Il y avait. Ouais, il y a. Ouais, non, Alien comme ça, ok. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Wizard Tire, Willow. Et Toki. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Tiens, il y a même les ninjas. Ah, Sega Ninja, on dirait de Ninja en mieux. Rolex Dark 2, Robocop 2. Food Zone. Ah, regardez, il y a de News and Story. On va aller voir celui-là pour Jessica. Un petit crédit. On appuie sur Start. C'est nous, les petits kiwis, on jouait tranquillement quand il y a le gros méchant phoque qui est venu nous capturer. Phoque, 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 disait le phoque. Et hop là, alors c'est où? C'est ici. Normalement, il y a. Oups. Il y a un truc dès le départ, je crois. Si je me souviens bien. En fait, faut regarder où les flèches font. Et là, vous voyez, les flèches s'arrêtaient dans le vide, c'est qu'il y avait un raccourci. Voilà, on va prendre par ici. Allez. Petit kiwi, nage. Et hop là, alors je sais pas trop où je vais là. Ok. Ah, il faut que je pique son vaisseau à lui. Voilà. Ça y est, vite. Allez, petit kiwi. Il y a les affiches du Joker d'ailleurs. De toute façon, parce que le plafond. Voilà, le plafond a l'air d'être un peu piquant. Comment est-ce qu'on descend de ce truc comme ça, voilà. Aïe, je suis mort. Tiens, je me suis encore pris le boomerang.
Je le crois pas. Après, je veux dire, c'est version d'arcade, hein. Ça picote. Allez, on va libérer le petit kiwi. Voilà, le petit kiwi est libre. Donc c'est sympa, il y a quand même des jeux assez marrants. Un peu tous les genres. Ah non, j'ai les bombes. Ça va moins rigoler avec les bombes. Allez, viens ici, toi. Là, on a la version arcade quand même, c'est plus sympa. Et encore mort. Game over. Donc après on a quoi ici? Oui voilà, on a l'Alien versus Predator, le jeu qui est sorti sur le Steam Capcom. Mais le Steam Capcom vaut 220 euros et là, vous prenez votre PC, vous installez ça. En plus moi ça tourne sur un Windows 7. Il n'y a pas besoin d'avoir un PC dernier cri. Et vous pouvez jouer, voilà, au jeu. Hop là. Super, on a l'intro et tout. Les aliens débarquent. Regardez ça, ils sont tous assoiffés. Oh, il y a Predator aussi. Viens avec moi si tu veux vivre. Mais dis donc, on dirait Terminator. Bon, allez, on va prendre le Predator Hunter, tiens. C'est parti. Donc là, ce qui est bien, vous voyez, c'est qu'il n'y a quasiment rien à configurer. Vous installez, je vous dis, vous téléchargez le programme, vous le dézippez, vous le mettez dans un dossier sur votre PC. Vous branchez une manette de Xbox 360 et tout est configuré, vous n'avez plus qu'à jouer. Mais il y en a un paquet d'aliens. Car on va casser la cabine téléphonique. Pizza time! Une pizza récupérée. Il y a un truc qui est tombé là-bas, c'est quoi? Ah, super, faut que je récupère ça. Le super magazine, c'est l'heure de shooter. Une canette de Pepsi, non? Allez, ah, je peux faire une glissade aussi. Bon, après, c'est sûr qu'il vous faut des jeux où il n'y a que 4 boutons. Hein. Quoi qu'il y ait les boutons LR sur la manette de l'Xbox. Voilà, lui j'ai shooté. Et là, il y en a un qui est caché. Allez, essayez. C'était vraiment trop facile. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est le boss. Le boss et son armée de petits aliens. Est-ce qu'il y a un super coup? Ah oui, il y a un super coup, mais ça bouffe de la vie, quoi. Ça va manger la moitié de la vie. On va les électrocuter un petit peu, enfin électrocuter ou les enflammer. Ah, j'ai une super arme. Oui, c'est pas mal, vous pouvez jouer à pas mal de jeux d'arcade, pas besoin de Raspberry Pi, juste votre PC. Prête un emploi, merci Marc pour le tuyau. Vous avez un petit hyperspin, voilà, c'est ça en fait, un hyperspin, tout configuré. Par contre, ne me demandez pas comment changer le jeu, là je ne m'y connais pas du tout. Voilà, c'est Coinop. Normalement, je vous l'ai dit, c'est fait pour être utilisé sur les Xbox. Ah, mais on peut éclater les caisses. C'est bon, j'ai tué le boss. Et surtout, regardez l'overlay, quoi, l'overlay est nickel. J'espère qu'on pourra le récupérer sur Battle Serra avec le Bezel Project. Allez, on va changer de jeu. Il y a de quoi faire, hein. Vous voyez, il y a Armored Warrior, il y a Asterix, les Avengers, Bad Dude forcément. Battletoad, Cadillac Dinosaur aussi. On devrait être Ninja, je pense. C'est Double Dragon, Donjon Dragon. Ah, il y a le Golden Axe classique. Après, il y a la revanche de Dead Adder, je connais pas. Le King of Dragon, lui, je l'ai sur la Xbox. Il y a même le Moonwalker Arcade. Oh! Ninja Gaiden, Ninja Warrior, il y a des bons jeux quand même. Il y a de Punisher version arcade, enfin version même, qui est quand même beaucoup plus jolie que la version Mega Drive. Pour les filles, regardez, il y a. Ouh, Sailor Moon! On a les Simpsons. Et les Tortues Ninja. Voilà les deux versions. Version que j'avais vu sur Super Nintendo et l'autre version, je crois, qui est sortie après. Et on a pour les plus fanas vigilantes.
toujours aussi moche à mon goût. Là, on a quoi? Alors, on a des jeux, mais il y a des jeux qui sont d'époque, hein. Marc Stéroïd. Marc Stéroïd Deluxe. Banque Panique. Black Widow, il y a Bubble Bubble. Alors, c'est quoi ça, Bubble Memory? On va regarder un Bubble Bubble modifié. Wait a moment, ok, on attend. D'accord, story game, allez. Oh, c'est pas la musique de la version que je connais. Oh oh oh, c'est quoi ce sprite qui prend tout l'écran? Ouais. Bon, c'est la version classique, mais c'est quoi ce décor de fond là? Il y a deux éléphants qui s'embrassent. Ouais, je comprends pas pourquoi ils ont mis ce décor de fond là. Tiens, il mangeait le petit poisson. Ouais, c'est le bubble classique avec un autre fond, mais voilà, et j'y avais des fonds. C'était quoi sur PlayStation? Il y avait un super fond de décor. Là, on a des éléphants d'ailleurs. Donc, on va zapper celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? Je connais pas ce Buck Rogers. On va aller voir. Un jeu de Sega en plus. Allez, on met des crédits. Il y avait un Buck Rogers sur Mega Drive, mais c'était un jeu genre RPG. En 3D un peu isométrique. Et là, on a un jeu de tir. Alors, on peut aller à droite à gauche. On peut se faire exploser. On peut aller de bas en haut, mais regardez. Là, je vais au plus bas et là, au plus haut. Voilà, on peut pas beaucoup bouger en fait. Hein. Apparemment, il n'y a qu'un bouton de tir. Alors, faut pas être épileptique. C'est quoi? C'est une sauterelle de l'espace. Oh putain. Ah, ça y est, on peut bouger un peu plus. En fait, non, c'est toujours un bandeau. Sauf que là, le bouger sur le bas de l'écran est un peu plus haut que le bas de l'écran. On peut bouger qu'au milieu. Bon, la musique est pas terrible. Il est où, Tiki, là? Bon, on va zapper parce que celui-là, il me donne mal aux yeux. On a quoi? Burger Time. Ouais, là, c'est les jeux, je vous dis, qui sont pas récents. Hein. Cabal, Centipede. Centipede. Chaise à scu, ok. Le cirque de Charlie. Ouais. Coco Bongo, il est là quand même. Daytona USA, ouh, on va voir comment il tourne celui-là, tiens. Alors, ouh, qu'est-ce que c'est? On peut changer les difficultés peut-être? Je vois pas trop comment ça marche. Ouais, allez, en route. Je vais appuyer sur start. Ça marche pas le bouton start. En route. Ah, il faut peut-être choisir le circuit, je pense. Voilà, automatique. Ok, allez. Start. Boum boum. Elle est moins jolie que sur la Saturne. Alors attends, parce que là. Non, en fait, il doit se jouer au volant et à la commande, parce que j'ai rien qui marche. Là, celui-là, ouais, il y a. Ah, alors attendez. Non, on peut changer la vue avec des boutons LR. Non, celui-là, il bugouille un petit peu. Dommage, tu vas m'intéresser. Regardez, il y a Defender. Disc of Tron, ouais, les jeux de Tron, Donkey Kong. Donkey Kong Junior, ok, Elevator Action, je vais vous montrer tout à l'heure. Fantasy Zone. G.I. Joe, G.I. Joe. Ah, gars, les gars.
Donc là, on a apparemment des vieux jeux. Ici, je vous dis, vous avez des jeux de baston. Il y a vraiment de quoi faire. On va les voir dans l'autre sens, d'ailleurs. Voilà, des X-Men, Warrior of Fate. Voilà, plein. Ouais, il y a quand même des bons jeux. Les vigilantes. Ah oui, le Splatterhouse Arcade. Tiens, on va vite jeter un oeil. Allez, le masque va se coller à mon visage. C'est bien la musique. Je vais prendre le hachoir. Hop là, c'est tranchant. Et les petits bruits en fond, c'est encore plus terrifiant la version arcade que la version PC Engine. Ah oui, c'est vrai que lui, bab. Aïe. Voilà, oui, c'est vrai qu'il y a les pics. Alors les pics, on les voit pas trop. Hein. Voilà, allez, on va aller jusqu'à l'ascenseur quand même. Les chauves-souris, les chauves qui peut. Il y a quelqu'un qui est enfermé derrière, une fille. Hop là. Ah, ça vole moins avec des ailes coupées. Oula, c'est d'aller en bas. Voilà, les pics. Allez, je vais manger de l'âme. Quick, quick, quick. Ah, il a perdu la tête, lui. Non, c'est pas l'ascenseur, oui, c'est la salle avec les larmes. Alors, bien sûr, qui dit jeu d'arcade dit difficulté augmentée, hein. Comme je l'ai dit, j'ai pas trouvé de fonction sauvegarde ou de marche arrière. Je sais pas s'il y en a dessus, des fonctions pour tricher. Le seul truc qui marche, c'est Select et Start pour venir au menu, comme ça. Mais c'est vraiment pas mal, vous avez pas mal de bons petits jeux d'arcade. Donc ici, on a vu les jeux de tir. Ultra Beast. Un peu tous les genres. PC Kid. Ah, il y a peut-être le Sonic. Regardez, même le shoplifter. Contra, waouh! Voilà, après on a les jeux, jeux de combat un contre l'autre. Les shoot'em up, alors là il y a un peu de tout, hein, j'ai pas trop regardé parce que je suis pas très shoot'em up. Et en plus, pour chaque jeu, vous avez l'image. Ah oui, il y a le viewpoint celui qui est sur la Neo Geo. UN Squadron. Twin Cobra, tiens, il y a même Twin Bee Yahoo, je connais pas. Ah oui, d'accord, il y a Twin Bee mode 8 bits et Twin Bee aussi beau que sur Super Nintendo, voire même plus joli. Buxton 1 et 2. Tiger Rally. Après, alors là, donc je pense que c'est les jeux rangés par console, donc on a les Game & Watch, des jeux Game Boy Advance. Voilà, là on a des jeux Sega Genesis. Ah oui, il y a même des Airstrike. Kid Caméléon. Ah bah ouais, on a les Sonic. D'accord, donc il y a les jeux console en fait, ils sont là. Ouais, voilà, il y a Alien Crush. Après, je sais pas comment ils sont classés, peut-être là dans les options. Parce qu'ici, dans les options, on a voilà, console split et console merged. Donc ça veut dire console mise ensemble et là elle est séparée, on va cliquer ici. Et si on revient derrière, elles sont séparées ou pas les consoles? Ah ok, on appuie sur la touche R1 et on zappe les consoles, voilà. Donc il y a la PS1 aussi, tiens, on va aller voir la PS1. Mega CD, Super Nintendo. Bon, il n'y a pas un max de consoles, mais on va retourner voir la PS1. Ouais, il y a quand même des jeux PS1, j'avais pas fait attention. Ouais, Tekken 3. Il n'y en a pas beaucoup, hein, de jeux PlayStation. On va aller voir Crash Bandicoot parce qu'il est en 3D, voir un peu ce que ça donne. Oh, c'est pas très lumineux là. Et c'est en plein écran. Et... Ouais, il y a un filtre rétro. Ne me demandez pas comment on fait pour l'enlever, j'en ai aucune idée. Voilà, start game.
Le jeu est pas en VF, c'est normal, c'est une image américaine. D'accord. Voilà, blablabla. Annule le crabe. Ok. Ouais, je suis pas fan de la couleur. D'ailleurs, j'ai pas récupéré les pommes. Peut-être dû les récupérer. Moi, je trouve que c'est plutôt pratique pour l'arcade. Mais bon, après, honnêtement, l'émulation, ça tourne bien, là. Ça va aussi dépendre de votre PC, je pense. Mais voilà, ça tourne sur Raspberry Pi, donc... Je vois pas pourquoi ça tournerait pas sur la... sur un PC. Je vous rappelle que j'ai Windows 7. Et un i5, je crois. Donc ça, c'est pas mal. On a quelques jeux consoles. Là, je vous dis, c'est les réglages. À vous de voir. Vous pouvez mettre full screen avec les Skyline, sans les Skyline. Les bezel, voilà, vous avez plein de trucs. Playlist, je sais pas à quoi ça sert. Vous pouvez changer le fond, ça c'est pour éteindre. Ici, vous pouvez mettre en mode vertical. Vous le voyez sur l'écran. Moi, je préfère le mode de base. Voilà, le mode horizontal. Là, on a tous les jeux. Donc, classé par ordre alphabétique. Tiens, regardez, on avait le jeu, voilà. Avec le vélo, yo, yo, yo. Donc ici, c'est tous les jeux, mais classés par lettre. Vous appuyez sur la touche R1 pour choisir. Ah, il y a Marine machin. Amarinari. Mes favoris. Là, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une playlist. Donc, je vous rappelle, vous avez juste à le télécharger. Vous le mettez sur votre PC. Vous lancez le programme. Voilà, ici vous avez les différentes catégories de jeux. Vous faites tourner la roue, vous choisissez le jeu, vous appuyez sur A pour jouer, qui met de l'Xbox 360. Select et Start pour revenir au menu. Et c'est vraiment pas mal. Donc tiens, on va regarder dans le... Est-ce qu'ils ont un grand classique pour être un pas, est-ce qu'ils ont Outrun? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Ordine, Wardine, je sais pas comment vous dites. Il y a Outrun. Il y a même Outrunner. On va se quitter sur Outrun, allez. Belle overlay. Des crédits, start. Boum, boum. Et c'est parti. Donc je vous rappelle, vous aurez le lien vers où le télécharger dans la description. On va installer sur PC. Je ne pourrais pas trop vous aider à la configuration. Normalement, c'est configuré. Mais comment ajouter des ROM ou pas, je sais pas. Si quelqu'un le sait, bah, qu'il me le dise. Voilà, c'est une solution que Marc m'a donnée. Vous avez une sorte de mini Hyperspin, enfin Quenop pour PC. Configuré avec quand même pas mal de jeux, des jeux d'arcade. Faudrait peut-être que je passe la seconde, moi. Voilà. Et comme ça, bah, vous pouvez vous éclater sur votre petit PC. Faudrait essayer sur un PC moins puissant. Et je trouve que c'est sympa. En plus, l'interface était vraiment jolie. Hein. C'est dommage qu'on ait pas ça sur nos Raspberry Pi encore. Donc, allez, moi, comme d'habitude, je vous laisse là. N'hésitez pas à laisser un pouce si la vidéo vous a plu, laissez vos commentaires ou vos questions. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Aïe, je fais tomber ma copine. A bientôt tout le monde. Ciao.